RTL Matin, Yves Calvi. h 38, une revue de presse un peu particulière avec Adeline François et dans la presse ce matin, Adeline, comment laisser une empreinte? Il y a des hommes comme ça que l'on associe automatiquement à une ville tant ils ont marqué son histoire de leur empreinte et c'est le cas de Louis Nicolin avec Montpellier. Adieu Loulou, en une du Midi Libre qui lui consacre ce matin une édition spéciale et qui raconte les dernières heures d'un homme hors du commun. Qui raconte aussi ses fabuleuses conquêtes en football mais aussi en affaires. Il était le redoutable roi des poubelles, dit le journal qui le décrit en entrepreneur avisé qui a bâti un empire. Le vide qu'il va laisser est à la dimension du cœur qui battait dans cette gigantesque poitrine, écrit le Midi Libre. Et l'un de ses journalistes, Jean-Michel Izoard, se souvient avoir interrogé Nicolin en 2013 sur la mort. « Pourquoi voudrais-tu que je te parle de ma mort avant qu'elle soit venue me chercher ?» lui avait-il répondu. « Mais rends-moi quand même un service. Une fois que j'aurai cassé ma pipe, dis-leur à tous que je ne veux ni autobiographie, ni émission de télé à la con, parce que franchement, avec ma bobine, je suis pas sûr que ça fasse monter l'audimat. » Le chiffre des ventes de l'édition spéciale du Midi Libre ce soir lui donnera sans doute tort. Ce matin également, l'empreinte de François Hollande. Ah oui, une belle empreinte sur les finances publiques de la France, d'après le rapport de la Cour des comptes publié hier et qui fait le sel des éditorialistes ce matin. Avec un peu de mauvais esprit, écrit Christophe Bonnefoy dans le journal de la Haute-Marne, on pourrait presque imaginer que ce document a été dicté aux sages par le nouveau président. Il est sans pitié pour François Hollande et donc laisse la porte ouverte à une politique qui demandera beaucoup d'efforts aux Français. Macron rattrapé par les mensonges de Hollande, titre en une Le Figaro. Drame budgétaire, acte 1 pour l'opinion avec le dessin de CAC qui représente François Hollande en semeuse. Souvenez-vous, sur les pièces de 1 franc, liberté, égalité, prodigalité. Ce n'est pas pour rien que l'on parle de scénario des finances publiques, écrit l'opinion. En matière de prévision budgétaire, la mise en scène des chiffres compte tout autant que le fond. En trouvant la situation inacceptable hier, le Premier ministre Édouard Philippe aura aussi et surtout réussi à installer la dramaturgie nécessaire pour faire passer les efforts inévitables à venir. Un cliché aussi dans tous vos journaux ce matin. Oui, alors en fait, deux photos postées hier sur Twitter. La photo officielle de l'Élysée postée par Emmanuel Macron sur son compte et la photo hier soir du repas de Benoît Hamon. Un kebab. J'ai craqué. Fin du régime, a tweeté hier soir Benoît Hamon. Alors pourquoi mettre les deux photos côte à côte ce matin? Eh bien parce que la photo de Benoît Hamon a été repostée sur Twitter 47 400 fois. Celle de Macron, 28 500. La photo officielle du président battue par un kebab. On est bien peu de choses. Cela dit, dans vos journaux ce matin, c'est ce cliché officiel de l'Élysée que vous verrez avec force récit des coulisses et analyse des détails. Les pages culture du Figaro ont même convoqué plusieurs photographes professionnels pour une analyse technique du cliché. Les pros de la photo ne sont pas du tout convaincus d'abord par la symétrie de la photo, rarement utilisée pour un portrait officiel, disent-ils. Tout est trop parfaitement aligné, trop de retouches, disent-ils aussi. Les drapeaux sont saturés et surexposés. La veste du président est tirée à quatre épingles, prouesse impossible à réaliser quand on est appuyé comme ça sur un bureau. Il y a forcément des plis. Et puis il y a le cadrage, beaucoup trop serré, on étouffe, dit un pro. L'homme, le bureau, les objets posés dessus, les drapeaux, les portes-fenêtres, les arbres, ils ont voulu tout mettre. Il aurait fallu faire des concessions. Enlever au moins un des trois livres. Oui, mais alors pas les nourritures terrestres d'André Gide qui sont posées juste derrière lui à droite. Extrait des nourritures terrestres. Je m'installe dans ce point de l'espace que j'occupe, dans ce moment précis de la durée. Je n'admets point qu'il ne soit point crucial. J'étends mes bras de toute leur longueur. Je dis voici le sud, voici le nord. Je suis effet, je serai cause. Une occasion qui ne se représentera jamais plus. Je suis, mais je veux trouver raison d'être. Je veux savoir pourquoi je vis. Fin de citation. Bon, dans les nourritures terrestres, il y a aussi un chapitre qui commence ainsi. Il y a des matins où l'on se lève avant l'aube. Voilà 8 ans que je connais ces matins et que je me lève avant l'aube, notamment pour cette revue de presse qui aura laissé comme une empreinte tant d'encre de papier journal sur mes doigts. Continuez à lire les journaux. Moi, à partir de lundi, je deviens une auditrice de cette matinale de RTL. Ces 3 lettres auxquelles je dois tant. Merci à la direction de RTL pour sa confiance toujours renouvelée. Merci à vous les auditeurs, parce que je dis souvent que nous ne sommes qu'un bouton, nous n'existons plus quand vous le tournez. Et puis merci surtout à toi Yves, pour ta bienveillance. Quel honneur et quel plaisir j'ai eu à travailler avec toi chaque matin.
C'était la dernière revue de presse d'Adeline François sur RTL. Adeline, je mesure, crois-moi, les mots que je viens de prononcer, c'est émouvant pour vous, pour moi, et pour tous ceux qui nous entourent et travaillent à tes côtés depuis des années. C'est donc le moment de dire à nos auditeurs que vous nous quittez pour rejoindre nos confrères de BFM Télé. Ils ont bien de la chance parce qu'ils vont travailler avec une journaliste d'un exceptionnel talent. Je mesure encore une fois les mots que j'emploie car je te regarde travailler depuis des années. C'est mon privilège à moi d'être ton premier auditeur. En fait, très simplement, je t'écoute et nous sommes des millions à l'avoir fait tous les jours avec un égal bonheur. Car quand tu prends la parole, on tend l'oreille, Adeline. Tes journaux, bien entendu, mais aussi cette revue de presse où chaque matin, tu nous as surpris. Tu es curieuse, tu es vive, tu es intelligente, tu es drôle. Et cet exercice si difficile, tu l'as assumé avec une grâce infinie. Finalement, c'est à l'essence du journalisme que tu as touché et que tu nous as touché. Alors, je t'embrasse au nom de toute la rédaction d'RTL et de nos auditeurs qui sont ce matin les complices de notre émotion. Je me dois aussi de saluer avec grand plaisir l'arrivée parmi nous de notre nouvelle camarade Amandine Bégaud. Et dans un instant, l'émotion cède la place au rire grâce à Laurent Gérard et Mademoiselle Jade. Restez avec nous sur la Première Radio de France. À bientôt, Adeline. Merci.